Voilà, c'est bon. Nous enregistrons. Vous aurez la rediff cette fois. D'ailleurs, j'ai. Coucou Élise! Comment tu vas? Bon. Voilà, la question est partie plus vite. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai activé l'enregistrement automatique. Donc, normalement, cette fois, bah, pour les prochains épisodes, ça devrait pas poser de soucis. En espérant que ça ne fasse pas bugger mon Streamlabs, parce que je l'avais désactivé pour ça. À un moment donné, ça a fait bugger. On verra bien. On verra bien, on verra bien. On en est à 11 babies. Vous avez la liste des gosses et des patriarches, enfin des géniteurs ou génitrices sur le Discord. Je dégouline. Voilà. Il fait 27 chez moi et pour moi c'est déjà la canicule. Quand il fait plus de 15 degrés, il fait chaud. Donc, on a tout ce qu'il faut. J'espère que vous avez à boire à disposition. Ça, c'est mes médocs pour tout à l'heure. Voilà. À boire! Un gosse pantoufle. Bah écoute, c'est vous qui donnez les prénoms, donc pourquoi pas, on verra. Hein. En général, c'est premier arrivé, premier servi, quand le gosse naît. On va pas réserver sur 15 générations, sinon c'est pas juste. Et là, je crois qu'elle a une brioche au four, donc on verra, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, peut encore en avoir deux. J'ai enlevé Martin. Parce que la narcolepsie est un handicap qu'on ne tolère pas ici. Et j'ai remis Désiré pour aider sa mère. Voilà. Donc s'il te plaît, Braise, ne me fais pas un procès. C'était sûr. Quoi? Mais c'était sûr en fait! Mais il s'endormait tout le temps! Et il était tout le temps de mauvaise humeur parce que je lui faisais faire des trucs! C'est mignon, pantoufle. Oui, bon, après, peut-être pour un chat, à la limite. Après, c'est un autre débat. Respecte les handicapés. Ben, je respecte les handicapés si je veux. Moi-même, étant handicapée, je peux les bully. Voilà, donc j'ai bully Martin. Il m'emmerde. On est là pour rusher, pas pour prendre soin des handicapés. Dis-le avec le smiley, Brest. Il est gratuit ici. On va se mettre sur la scène de jeu. Voilà, vous voyez tout bien normalement. Donc Désirée est là, t'es contente, Vraise? Je sais plus où on en était avec les gosses. Il y en avait une qui. Ah, Français Plus, Reine du Catch, on n'a pas oublié. Rita, Sylvandre. Oui, le petit Sylvandre et Guy Georges. Alors, Sylvandre, ça vient de la chanson. Ah, vous dirais-je maman, mais la vieille version, pas la version qu'on chante maintenant. Et Guy Georges, c'est une proposition de Ruru qui est venue me faire peur la dernière fois. Je sais pas si vous avez vu ou si vous vous rappelez. La déception est tout en moi. Chiale, Braise! Tu pisseras moins! Il paraît! Alors que ça n'a aucun rapport! Bref, on en est où? On en est, bah on en est qu'on va jouer, tout simplement. Alors, Désiré, à s'occuper des chiards. Ah putain, ça brille déjà, j'en peux déjà plus. Ça vient à peine de commencer. Et il me saoule déjà. C'est pas possible de piailler comme ça, là. Regardez, ça c'est une meuf qui a ouvert les Sims juste pour faire des photos. Ça se voit ou pas? Putain, tout ce qu'il y a, ça ne s'arrête pas, voilà. Sylvandre a très faim. Bah, on va peut-être le nourrir. Ce serait pas mal. Il est où? Il est. Non, ça c'est Guy Georges. Allez, va nourrir le chiard là. Je fais bien, ça va? J'ai remis le.
l'anti-bruit de mon micro. Donc vous me dites si ça coupe trop ma voix, j'essayerai de faire autrement. Mais il avait l'air d'avoir pas mal de sons parasites. Donc je l'ai remis. Mais j'ai peur que quand je passerai dans les aigus, bah ça bug. Enfin ça. Mais pourquoi il l'a mis par terre ce con? Remets-la dans son pieu. Ça y est, ça commence. Ça commence. J'ai perdu Martin. Ouin ouin. Hey! Allez, fais areux avec nous là. Hey! J'ai chaud! Alors, je vous promets pas d'être très réactive parce que sachant que j'ai chaud, ça vide mon énergie. Mon énergie dégouline avec ma sueur, vous comprenez? Donc, si je suis pas très vive, c'est normal. Après, c'est moi des streamers qui sont ultra énergiques quand il fait très chaud. Non, presque. Il y a eu un Martin, il n'y en aura pas 40. Par contre, il peut y avoir une Martine. Je veux bien. Peut-être. Mais les Martins, c'est fini. Là là, on n'en puis plus des enfants. Ah, écoutez cette douce mélodie. Je sais plus si je vous avais montré ou si j'ai changé quelque chose la dernière fois, mais la maison est comme ça maintenant. Mais je crois que c'était déjà le cas. Je sais plus parce que j'ai fait de la construction. J'ai fait de la construction quand? Et pourquoi? Ah oui, non, c'est pour Lulabi, ça n'a aucun rapport. Vous verrez la semaine prochaine. Vous verrez la semaine prochaine dans Lulabi parce que j'ai des projets. Et j'espère que ça va vous plaire. Bah voilà. Oui, bah nettoie les trucs, Josiane, là. Non, mais c'est pas possible de mettre cet enfant dans son lit, par contre. Parce que bon, c'est bien gentil, mais... Oh! Hein? Bon, alors... Pose français plus. Qu'est-ce qu'il a encore, Guy Georges? Chiant, le mec. J'ai désactivé l'autonomie. Sinon, ils vont me faire chier, en fait. Hop. Non. Sus. Honteux. Normalement, les alertes remarchent. Donc, je sais pas. Je sais pas trop. Si... J'espère que ça remarche parce que ça fait déjà deux personnes qui sont abonnées et elles n'ont pas eu leur petite notif. Ça me fend un peu le cœur. Ouin, ouin. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, alors, sachant que... Ah, j'ai une question pour vous. Et j'attends que vous soyez honnête. Enfin, honnête. Oui, vous l'êtes. Non, comment je pourrais dire ça? Transparent avec moi. Vu que... Ah mince, j'ai oublié de changer le titre et tout, mais je ne fais pas mon travail de streameuse. Je fais des conneries. Alors. Épisode 5. On joue pas du tout à Lake. On joue au 100 bébé challenge là. Ta mère. Ta mère, le camembert. Sims 4. Les Sims 4. Voilà. Donc ma question en toute transparence. C'est bon, ça va pas enregistrer? Attendez. J'actualise. Déjà, il faut que je commence par le début. C'est-à-dire que sur Twitch, mine de rien, j'étais quand même affiliée, donc j'avais, au bout de quelques temps, je pouvais toucher un petit peu d'argent. Quand il y avait un seuil dépassé, vous voyez, donc de temps en temps, peut-être tous les 3 mois, tous les 5 mois, enfin ce que vous voulez,
Je touchais 50, 50 euros. Je crois que le plus que j'ai fait, c'était 90. Mais c'était bien. On va pas se mytho, c'était bien. Sur Kick, je peux rien toucher parce que j'ai pas encore 75 abonnés. Et très honnêtement, je pense que ça viendra pas. Parce que les seuls qui viennent, bah, c'est vous. Et vous êtes déjà sur mon Discord. Et je vous remercie d'être venu. Donc la question est... Et c'est une vraie question, mais peut-être je devrais la poser sur mon Discord. Coucou Oscar. La question est, est-ce que je reste sur Kick, mais je mets un onglet avec les... avec la possibilité de me faire des dons sur PayPal, ou est-ce que je retourne sur Twitch? Voilà. Après, je commence à apprécier Kick, je vous avoue, parce que bah, rien que le fait qu'on puisse mettre autant de smileys qu'on veut et que vous pouvez y avoir accès. Moi, ça me fait plaisir, parce qu'ils sont là pour ça. Alors que sur Twitch, ils sont réservés aux abonnés, sauf si on est partenaire. Mais pour être partenaire, il faut genre 300 followers, 300 gens actifs dans le chat. Bref, je ne serai jamais partenaire et c'est pas grave. Mais du coup, ça me fait chier de faire des smileys pour que personne les utilise, à part 2-3 gens. Voilà, donc c'est la question du jour. Qu'est-ce que vous préférez? Kick avec une possibilité de don, bien sûr, c'est pas obligé. Hein. Ça va de soi. Ou je retourne sur Twitch. Pardon. Peut-être que je ferai que je vous demanderai sur Discord. Kick. Vous préférez Kick? En vrai, Kick, c'est chill. Hein. Enfin, j'aime bien. Je sais pas, j'aime bien. Après, c'est encore en bêta et tout. Il y a plein de trucs qui vont être. Mais voilà, après ce serait cool que je réussisse à avoir des gens, enfin plus de gens, enfin que je réussisse à débloquer les... Vous avez compris? Parce que j'arrive pas à parler. Bah après j'ai envie de dire les revenus sur Twitch c'était un petit bonus de temps en temps, tu vois. Après on crache jamais sur 50 balles, hein, on va pas se mytho, mais... Mais du coup, je sais pas. L'avantage de Twitch, c'est que vous pouvez aussi vous abonner gratos si vous avez Prime. Parce que du coup, c'est pas vraiment gratos parce que vous payez à Amazon, mais je sais pas si ça. Enfin bref, vous avez compris. Mets ce petit Oli, please. Ils sont pas les couilles, hein. Bon, toi, va manger. Coucou Goldou. Goldou, tu préfères Kick ou Twitch? Je débat même plus. C'est... Tu préfères Kick ou Twitch? Ouais, moi sinon je mettrais un lien vers mon PayPal. Si vous voulez faire des dons. Je sais plus comment on fait. Je sais plus comment on fait. Faudrait que je fouine là-dedans. Parce qu'au début, il n'y avait pas non plus sur Twitch et tout. Fallait configurer je sais plus quoi. Oh, ça y est, c'est l'anniversaire des jumeaux. Est-ce que vous pouvez mettre cette gamine dans le lit? C'est possible ou pas? Là, ça commence à me saouler par contre. Ça fait 3 fois que je vous demande de la mettre au lit. Et elle a pas mangé, elle. Non, mais c'est. Je fous vraiment de ma gueule. Va pisser, toi. Tu m'emmerdes. Ah oui, bah oui, d'accord. Il a même pas nourri cette espèce de con. Désiré, t'es nul. Martin, il s'endormait partout, mais au moins, il faisait ce que je lui demandais. Coucou à tes parents, Goldou. Allez, nourris-la, elle crève de faim, là. Oh, c'est parce qu'elle fait quoi? Essayez de faire dodo. Non, non, tu dors pas, tu dors pas. On doit t'allaiter, là. Oh, c'est chiant. Allez, on se dépêche. Bon, les jumeaux, ils peuvent grandir, alors bah, on va pas attendre, hein.
Oh, et l'autre qui est dégueulasse là. Ah, ça me saoule déjà, les gars. C'est bon, mais elle adore ou pas? Ah non, c'est... Oui, d'accord. Mais ça va de hurler à la mort comme ça? Moi, j'en peux plus. Allez, il a grandi. C'est un petit enfant solaire. Martin. Guy Georges. Calme. Merci. Oh là là, ils ont l'air d'avoir le swag. Hein. Soit Guy, soit Gosse. Hein. Oh là là là, mais c'est pas possible. Ça existe en vrai. C'est une question de génétique, si quelqu'un s'y connaît. Je parle d'un être humain qui n'a aucun problème de santé et de naissance. C'est possible d'avoir la peau noire et d'être blond. Quand je parle de problèmes de santé, ça englobe albinos et compagnie. Hein. C'est pas vraiment des problèmes de santé, mais vous avez compris. Genre, naturellement. Je sais pas comment exprimer, vous avez compris, mais de manière le plus normale possible. C'est possible d'avoir la peau noire et d'être blond, génétiquement. Ça m'intrigue vraiment. Je me pose des questions de merde, je sais. Oh, lui, il a faim, ben on va le nourrir, hein. Ah, les petits charmes. Non mais... Martin, Désiré s'en occupe déjà là, c'est bon. Occupe-toi de celui-ci. Mais je vois pas pourquoi ça serait pas possible. Bah peut-être parce que... Parce qu'en général les gens qui ont la peau foncée ont les cheveux foncés. Enfin, moi, j'ai jamais vu de noir avec les cheveux blonds naturels. Mais voilà, voilà, elle a tout cassé. Ah, bah, elle a l'été du coup. Bon, bah, Désiré, tu sers à rien. Sert à rien, ce gosse. Allez, jette-moi la couche, là. C'est bon, il a mangé l'autre. La 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 la. Même pas, il a à peine mangé. Oh là là, bref, c'est pas possible. Ça suffit avec Martin. Si c'est pour me faire un foin à chaque fois que Martin ou Martine quitte le foyer, j'appelle même pas le prochain Martine. C'est fini. C'est fini les bêtises, Braise. Bon, va nourrir ton petit frère, toi. Fais quelque chose, s'il te plaît. Ah, bah enfin, enfin, un gosse qui mange bien. Je fais pas de foin. Ça fait 20 minutes que tu chiales pour Martin. Si, c'est faire un foin. Oh, quel sale gosse. La 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 la. Ok, chiante celle-là. Hein. Allez, il faut dormir. Je sais plus comment tu t'appelles. Rita, je crois. Et il a fait la vaisselle, c'est bon. Hein, ça doit être sa mère qui l'a fait. C'est ça. La mélanine et toute cette connerie. J'explique mon deuil tragique.
Rien que ça. Et il est pas mort, hein. Tu vas nous faire quoi quand il va mourir? Parce qu'ils vont certainement mourir, tu le sais. Ils sont pas immortels, hein. J'ai activé l'âge, hein. Sinon, le challenge n'a aucun intérêt. Et il est où? Il est avec ses frères et sœurs dans un foyer que je n'ai pas placé. Donc, la bonne réponse serait quelque part. Faudrait que je les place. Mais en même temps, il n'y a pas de toile, n'importe quoi, de maison pour 8 Sims. C'est une plaie à trouver dans la galerie. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, c'est dégoûtant. D'accord. Bah oui, en même temps, ta mère est malade, elle a vomi. Elle a vomi! Comme Ecstasy! Oui, mais une jolie maison, je veux te dire, pas. Parce que juste mettre 8 lits dans une pièce chez le fer, tu vois. Ah bon, après, je vais pas te vexer, mais voilà. Non, mais il n'est pas immortel. Je veux la préparer tout de suite parce que si ça se trouve, il va mourir dans un accident du style, je sais pas moi, un coup de tonnerre, ce genre de conneries. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à nettoyer? Tu vas préparer un repas. Je sais pas quand est-ce qu'elle accouche, elle. Non. Et même pas au deuxième trimestre. Ah, il repleure, les petits anges. Non mais c'est pas possible, la racaille de cité lui. Je pensais même pas à Minecraft, mais tes constructions Sims suffisent, Brézou. Non, je ne ferai pas, je toucherai pas aux enfants, sauf le prochain ou la prochaine matriarche. Mais sinon, je ne vais pas toucher aux enfants, donc s'ils meurent, ce sera pas de mon dû. Ce sera pas de mon fait. Non, oh, qu'est-ce que c'est moche cette peinture. Franchement, elle pouvait pas lui mettre la pomme sur la tête. Ça aurait été un peu plus stylé. Mais ton premier gosse, il est mort de. De je sais plus, de honte ou une connerie comme ça, non? De colère. Oh! Pardon. Bah une fois qu'ils sont adultes, on s'en fout si tu veux. Hein. T'as l'âge des vieux P, elle, et elle est contente. Ta 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 ta. Arrêtez de vous battre. On se bat pas. C'est Braise qui est chiante, mais moi je me bats pas, hein. Honteux. Honteux. Vous savez, il faudrait que je teste. Je vais quand même vérifier un truc parce que j'ai peur. Donc, attendez 2 secondes.